Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 30 novembre, nous commémorons Saint André Apôtre. Bonjour. Saint André, frère de Simon-Pierre, était un pêcheur de Galilée. Il devint l'un des premiers disciples de Jésus-Christ. André est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, principalement dans les Évangiles. Selon les Évangiles, André était un disciple de Jean-Baptiste, mais après avoir entendu parler de Jésus, il décida de le suivre. C'est André qui conduisit son frère Pierre à Jésus. Jésus appela André et son frère Pierre en disant « Venez à moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». André était présent lors de plusieurs événements significatifs de la vie de Jésus, tels que la multiplication des pains, la scène et la pêche miraculeuse. Après la résurrection de Jésus, André aurait continué à prêcher la bonne nouvelle, notamment en Grèce et en Cilicie. La tradition rapporte qu'André aurait été crucifié à Patra, en Grèce, sur une croix en forme de X, appelée croix de Saint-André. Il aurait courageusement accepté ce martyre, considérant sa croix comme un honneur, mais aurait demandé à être attaché plutôt que cloué, voulant ainsi partager plus intimement la passion du Christ. Voici une prière dédiée à Saint-André apôtre. Ô Dieu, qui as élevé Saint-André à la gloire du martyr et l'a fait un instrument de bénédiction dans la prédication de l'Évangile, accorde-nous, par son intercession, de nous attacher fermement à la croix de Christ et de proclamer avec zèle la vérité salvatrice. Saint-André, apôtre fidèle, priez pour nous, afin que, par votre exemple et votre intercession, nous puissions suivre Jésus avec un cœur généreux jusqu'au bout de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Saint André, priez pour nous. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Joseph Marchand. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.